そうだ、俺はビーター。ロー、Konnichiwa, c'est Ikuze, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Sento Seiya, la bataille du sanctuaire, et on se retrouve avec Shiryu, car la dernière fois, tout simplement, Ikki s'était sacrifié pour pouvoir battre Shaka. Et donc, maintenant on se retrouve avec Shiryu, et bien évidemment... Désolé de la petite interruption, il se trouve... Merde, j'ai activé sans faire exprès. Il se trouve que, je suppose que vous avez remarqué que beaucoup de fois en fait, les vidéos sont un peu gâchées par... par mon petit frère souvent ou ma petite soeur qui rentre dans ma chambre. Donc je pense que je vais mettre un cadenas à force. Je raconte un peu ma vie, mais bon, faut bien trouver un... Alors... Donc je sais pas ce que vous pensez de Shiryu, hein. Je pense que je l'ai déjà dit, il me semble. Comment on fait? Voilà, c'est tout pète. En tout temps, Katalinga. Voilà. Ikuze. Et merde. M'en fous, le putain. M'en fous, j'en ai 20 plus 50. Je suis trop un foufou. Vous arrêtez de parler comme ça, force. Donc en tout cas, j'ai vu par contre que la découverte du manga Amatora vous a extrêmement plu. C'est-à-dire qu'en deux jours, on a dépassé les 100 likes. Ça m'a vraiment fait super plaisir. Enfin, je vois surtout que le nouveau style de présentation de découverte manga, ça vous plaît énormément. Et donc je vais continuer dans cette lancée pour les découvertes manga. J'espère que ça vous plaira toujours autant au fur et à mesure. Et voilà. Voilà, on est deux fous, on tue tout le monde. Merde, par contre, je sais pas contre qui on va se battre là. Je sais même pas c'était quoi la maison. Hop là. Ah, au fait, on a toujours pas été sauvé Ikki, je suis en train de penser. Non, pas Ikki, qu'est-ce que je dis? Shaka. Non, si, non, attends. Je sais plus comment il s'appelle. Celui du cygne là, celui qui a été emprisonné dans son bloc de glace. Je sais plus comment il s'appelle. Voilà, je sais plus. C'est comme quelque chose. Ikuze. On a pété tout le monde. Comment tu retrouverais la vue? Donc là, voilà, ils sont en train d'expliquer comment Shiryu a retrouvé la vue, hein. Donc normalement, vous avez compris, vu que... Hop là. Et voilà, il a failli repère sa sœur, je crois, ou c'est sa sœur, un bête. Ah, c'est pas vraiment si c'est sa sœur qu'il a perdu, mais... En tout cas, il a failli la perdre encore une fois, quoi. Et là, m'arrête de me casser les couilles. La casse tes couilles. Voilà, moi, on fout même en 7ème sens comme ça, je tapasse tout le monde, parce que moi, je suis un fou, ok. Oh non, le coup de la mort. On les a explosés dans le mur. Parce que nous on est des fous. Kyoga. Putain, il y en a beaucoup. On a plus de façon, je vous défoncerai tous. Mais... Hop là. Merde, j'ai fait un info en trop. Allez, on va, c'est pas mieux qu'on avait fait. Bon, ça marche pas indéfiniment, mais. C'est bon, y'a plus rien. Écoutez. Merde, en fait,
Donc là on arrive bientôt, parce que la maison elle est là-bas, à gauche, là je sais pas si vous la voyez. Oh, bon. Putain, j'arrive pas à les taper. Attends. Hop là. Non, on en a eu pas mal. Et voilà. Donc là, ouais, il y en a pas mal qui arrivent. Et voilà, on les tape tous. Parce qu'on est des fous, on est trop forts, nous. Alors. Arrêtez de... Oh là, saut périlleux arrière avec le 7ème sens, c'est une combinaison extraordinaire que Shiryu vient de nous faire là. En fait, je dis n'importe quoi. Et donc là, voilà encore les chevaliers noirs de notre perso. Donc il y a Seiya et Shiryu en chevalier noir. Donc on va se prendre des Ryu Seiken. Et... Wow, on se calme Seiya. Wow. Ah lui, je sais pas ce qu'il me... Arrêtez de me frapper comme ça, je n'ai rien fait. Oh là, moi je m'en fous, je suis ancienne console, je tape tout le monde. Et merde. Mais... Bon. 7ème sens, on recommence. Oh, voilà, parce que nous on est... Fou! Laissez-moi tranquille! Les ai battus? Oh ouais! Putain, j'ai du. Oh là! L'onde de choc, elle fait des dégâts apparemment! Pinaise! Bon. Donc en tout cas, on n'a pas dû faire un rang exceptionnel. Voilà, un rang on a fait extrêmement beaucoup de la merde, ça veut rien dire ce que je dis. Niveau 8 pour notre Shiryu. Alors. Donc fin niveau suivant, on est là, c'est parti. Je suis en train de péter un câble, faut m'aider s'il vous plaît. Alors. Oh, cette fois on a Seiya. Dai 7 no kyū, tenbin kyū ni oite, Seiya tachi wa kōri no hitsugi ni tojikomerare teiru hyōga o hakken suru. Shikashi ゴールドセイント数人の力をもってしても破壊できないとされる神湯の棺を前にして聖夜たちはなすすべがない。突如として紫龍の死同士が所持するはずのライブラのゴールドクロスが出現した。スピアツインロッドソードトリプルロッドトンファーシールドの6種類の武器となるライブラのクロスの力を借り、紫龍は氷河を救うべく氷の棺に立ち向かう。Ah oui, donc là vous allez voir que c'est totalement du foutage de gueule. En fait, le boss c'est ça. Faut taper le bloc de glace pendant 10 ans. C'est tout ce qu'on doit faire. Donc ça nous fait des combos, c'est bien, mais. Là on va faire que de. Voilà, comme ça on monte en. On fait monter des trucs comme ça. Ça fait beaucoup de slash. Bon, ça fait un peu toujours la même chose, mais bon, pas grave. Au moins nos slash montent. Pégasus, ils montent très rapidement nos slash en fait. On y est presque. Et voilà, on a monté à 100 000. Et voilà. Voilà, c'est la fin. Kono naka kara hitotsu dake kōri o kudaku no ni tekishita buki o erabanakereba naranai. Raibura no cross wa hoshi o mo kudaku to iwareru goldo saint no buki. 間違った武器を選んでしまったなら氷の棺どころか中にいる氷河さえも粉々に砕いてしまうからな。よし、これを使わせていただきます。老師、このソードを今その中から救い出してやるぞ。そして再び俺たちの前に蘇れ白鳥よ。氷河、しっかりして氷河。
が氷のように冷たい。心臓も止まりかけているよ。早く何とかしなければ。二人は先に行って、もう時間がないよ。氷河は僕一人でも必ず助けるから。わかった。じゃあ俺たちは先へ行く。氷河のことは頼んだぞ。シュン。僕のコスモを最高点まで高め、その熱量によって凍りついた氷河の体温を上げられるはず。人を倒すためではなく、人を救うために燃やすコスモがあってもいいはずだ。僕の命に代えても必ず助けるからね、氷河。Ceci est actuellement un gros gay. Je tiens à vous le dire. Ça doit être la scène qui m'a plus choqué dans tout le jeu actuellement. Donc voilà, je tenais à vous le dire. Voilà. Donc c'est la fin de l'épisode. Hein, il n'était pas super long. Je vous remercie d'avoir regardé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à partager sur les réseaux sociaux ou tout ce que vous voulez. Et me rejoindre évidemment sur Twitter, Facebook et Twitch TV. Donc voilà, arigato, matane.